Bonjour à tous, c'est Panouf et nous nous retrouvons pour le quatrième épisode de ma campagne avec Grand Brindal. Quelques petits rappels déjà, si vous mettez en commentaire dans les vidéos des demandes de renommer des noms de régiments, je le ferai. J'aime bien que ce soit un petit peu interactif, si vous avez des questions, des suggestions, je vais essayer d'être là pour y répondre. Ensuite, concernant la campagne, où on en était? Eh bien, ma campagne est fortement freinée par une action très intelligente de Gringor qui a confédéré avec les Lances Sanglantes, qui n'avaient plus qu'une capitale de province avec une garnison de merde et qui se faisait assiéger par des alliés. Sauf que comme Gringor n'était pas en guerre avec ces alliés-là, ils ont levé le siège et donc il faut que j'aille la récupérer. L'économie ne va vraiment pas fort et je ne peux pas du tout penser à poursuivre la conquête Pic Noir avec ce que j'ai actuellement. J'ai besoin de deux armées pour le Pic Noir, clairement. Donc on va essayer de solutionner ces petits problèmes, de reprendre mon Gunbad, de continuer à résister au Rocher de Fer et peut-être de s'emparer du Pic Noir si j'ai le temps cet épisode, on verra. Bon visionnage à tous et n'oubliez pas, si vous voulez que je renomme une unité, vous me demandez. Salut! On tient solidement le rocher de fer. On va faire une salle de surveillance histoire de tenir encore plus solidement. Alors, là, maintenant, avec tous les bonus que j'ai, est-ce que je peux enfin espérer prendre ce truc ou toujours pas? Et bah toujours pas. Ce qui m'énerve, c'est que j'aurais besoin de recruter des unités de renom en fait pour en terminer, mais je ne peux pas, ça coûte beaucoup trop cher. Pour moi, chaque jour suffit sa peine. Cette armée revient à fond dans 3 tours. Et je pense que la puissance des peaux vertes vient de s'effondrer. Mais attends. Ça vous dit pas, Zumbar, de rejoindre la guerre contre les peaux vertes? Et je vais proposer moi, je rejoins la guerre contre Liechtenstein et vous contre les peaux vertes. Ça vous dit? Contre-offre. Rejoignez la guerre contre les peaux vertes. On arrête. Ils sont toujours aussi cons. Et Caracadrine, est-ce que je pourrais obtenir quelque chose de Caracadrine? Clan Angrund, ils s'en sortent très bien. Caracnorn, ils sont très gravement dans la merde manifestement. Mais qu'ils sont prêts à payer 1000 pour un pacte de non-agression. Ah bah non, ils sont pas prêts. Laverland. Stirland, le Visselland, toujours pas. Ah bien. Je m'y attendais pas. Ici, ouverte. Ils sont 47e.
Après, j'ai vu qu'il y avait une deuxième armée ici. Ça m'énerve. Je peux pas laisser le rocher de fer. Et je peux pas donner l'assaut là-haut. Leur confédération m'a fait extrêmement chier. Alors, Grombrindal. Tu veux prendre de l'art. De la présence charismatique. Pourquoi je suis encore repassé à moins 59? Parce qu'une wak du venin noir. C'est pas mon problème. Vous allez vous décider à les détruire, merde! Ah mais... Non, il n'y a rien. La garnison, il n'y a rien. Il a deux armées, un seul ennemi, et il n'est pas foutu de le tuer. Putain, il m'énerve. Que je peux gagner cette bataille. Probablement pas, non, je manque d'arbalétrier. On va encore attendre. Ah, plus 1500, j'aime bien. Bâtez deux armées ou garnisons de tribus ouvertes. Coordination militaire cible. Alors là, c'est quelle cible? Il m'énerve. Un Arc-Villon. Je suis en train de développer les émissaires nains qui devraient améliorer. Qu'est-ce que j'ai comme ordre ici? Plus 5% de taux d'imposition, on va devoir faire ça. Un pilier de Gruny. Ah, ça c'est intéressant par contre. Un peu de chance, on va renouer avec bénéfice. Dans 5 tours, il commence à souffrir de la faim. On va encore attendre 2 tours. Grombrindal, au prochain tour, tu auras récupéré toutes tes forces. Je vois qu'il y a là un ennemi. Se balade chez moi.
avec un chef qui vient visiblement de se faire tuer. Je sais pas ce qu'ils font. Alors, le grand prophète vert. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Est-ce que je fais la bataille maintenant ou est-ce que je la garde au prochain épisode? Est-ce que je la fais, sachant qu'il n'a pas grand-chose? On va faire automatique. Pouznen, ça c'est cool. Par contre, tu vas avoir une Tawas Bag. Il faut qu'il cherche à me réattaquer. Génial, l'ordre public se stabilise tout seul. Je pense que je vais faire appel au bouclier emboîté dont j'ai besoin pour ici. Toujours pas. Et mon explorateur. Ah, c'est bien ça, l'Empire est en train d'attaquer Caracas Garage. Tant mieux. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Je pense qu'au prochain, il va falloir que je prenne les Mongunbad. Je pensais que mon armée était suffisante pour y parvenir, mais apparemment pas. Ou alors... Attendez. J'ai une idée. Je peux bien faire des recrutements des régiments de renom. Qui coûtent 1000... Et 900, donc 1900... et qui pourrait permettre de débloquer la situation. Je ferai peut-être ça au prochain tour, à savoir lever le siège, recruter les régiments de renom. Surtout le lanceur de gobelins qui peut être extrêmement utile. Et les gardes bougons. Et les utiliser. Brindal va récupérer une armure de maille complète. Ah, génial! Au revoir! Et j'ai pas perdu de force. C'est topissime. Et donc grâce à ça, je valide les murs des cailles de Gimville.
L'armée du nain débarque dans la légendaire fratrie de Wigman. Joseph sait correctement accueillir, mais la situation est désespérée. Ah, histoire de misère et de maudit sortilège noir qui semble signer les puissances de la ruine. Seigneur du chaos apprendrait le Regwald. Il soumit les tribus d'hommes bêtes à sa volonté et il les renforce. Et pour l'instant, les humains n'ont rien pu faire. Sauf que Gombrindel, il n'a pas tellement besoin d'être ailleurs pour l'instant. Un cadeau bien digne. Les troupes sont indémoralisables, se régénèrent. Et Ifujintan, Karazakarak, croissance négative. Bon. Donc tu peux retourner. Alors, qu'est-ce que je peux construire? Améliorer le col de la mort. Ouais, sauf que l'urgence, c'est le militaire. Alors, je verrai. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici, ce coup-ci. On a battu Gringor et le grand prophète vert. On a une armée supérieure en nombre avec un général qui ne peut pas aider beaucoup contre des bons ennemis. Donc on enregistre. C'était Panouf pour la campagne des nains. Petit rappel, si vous voulez que je renomme des régiments à votre nom, vous me le dites. Alors, je tente l'assaut contre la ville. Alors, je ne vois pas comment ils se sont répartis. Et c'est une ville qui a deux portes. Je préfère attaquer la porte d'en face. Un de mes guerriers nains a du bélier. Je mets le général ici et les deux pauvres arbalétriers ici. On commence. Et ici des boys orques, pas très dangereux. On se fait tirer dessus par la tour. Le plan, ça va être surtout de foncer et défoncer en profitant de mon général. 24. 21. Oh putain, j'ai peur pour mes tours. Ça dépasse les 50%, cette tour je la laisse tomber. Une unité de costaud, défoncez-la. 28, 47. Oh putain, j'ai peur pour mes hommes qui sont dedans. Tant pis, abandonnez la tour. Descendez, il va se faire détruire.
C'est ça le problème avec les tours, des fois elles se font complètement détruire et ça abîme toutes vos forces qui sont dedans. Là on a des... une unité de Boys Orc. Aïe, je le sens pas. C'est surtout le bélier qu'il me faut. Alors là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mes guerriers nains se font prendre par des boys orcs. Ils sont en train de capturer une tour. Ceux-là sont arrivés au bon endroit et on pourra aller prendre des boys orcs de côté. Je vais tirer sur les Boys Orcs pour soutenir. C'est un petit peu ce que... sur les Orcs Gobelins. Et ils sont en train, enfin, arrivés à la porte. Il y a une unité de Boys Orc et deux unités de Boys Orc, donc il faut une troisième unité de nains pour équilibrer. Là, cette unité de Boys Orc commence à prendre cher. Et comment ça se passe par au-dessus? Lui. Quand même, c'est des guerriers nains à armes lourdes, on devrait l'emporter. Surtout contre des archers gobelins, quoi. Cette porte, tu me l'as détruit, oui, non? Ah, voilà! Alors... on va terminer cette bataille. Les murs, ça se gagne. Toi, tu décroches. Les arbalètes, vous allez aider. Toutes les deux. Tu rentres, merci. Les costauds sont en train de s'enfuir. Et de ce côté-là, ça va se gagner aussi.
fonce sur la place centrale. Seigneur, tu vas là. Oh, mes guerriers nains qui prennent tellement cher. Possible. Ils vont un jour se décider à crever, oui merde. Leur général là il est en train de mourir. Oh non, pas de ça. Par contre, pas de ça. Tu fonces sur les archers gobelins. C'est quoi au-dessus de cette porte à la noix? Les orques qui sont en train de se faire découper. Ah! Bon, cette bataille va être gagnée. Le Seigneur. Voilà, c'est bon. On termine la bataille. Et maintenant, ces abrutis de Pauvert vont trouver à qui parler. Donc, la ville est prise. Une bonne chose de faite. 5000 je mets à sac. On réattaque et on s'en empare. J'ai moins 3 à cause de l'instabilité. Et si je ne fais pas ça, je ne suis pas prêt de pouvoir améliorer. Par contre, on va pouvoir... Il y aurait un nombre de provinces très importantes. Neuf tours jusqu'au surplus, vous êtes sérieux? Ensuite, on va pouvoir négocier un accord de commerce avec Caracadrine, pour lequel ils vont raquer. Parce que eux, ils vont gagner beaucoup plus que moi. Ils ont intérêt. On va aussi pouvoir commercer avec cette espèce de bande d'abrutis nommée le bar. Et alors vous? Je vous fais raquer un maximum pour m'avoir obligé à cette guerre.
Et on devrait avec ça nettement améliorer notre balance de sous. Nashrak, Kadrine. Bonjour, c'était la fin de cet épisode, cette fois la vraie. Vous l'auriez pas vu, c'est pas grave. Donc dans cet épisode, on est parvenu à récupérer enfin le nord, les monts Gunbad. Avec une armée qui a besoin de se réparer. Il y a une armée qui a des guerriers à armes lourdes qui ont montré leur efficacité. La prochaine étape, ça va être la conquête du Pic Noir, qui visiblement se fait assiéger. Qui visiblement est en train de se faire assiéger. Donc nos ennemis sont encore plus mal en point que nous, tant mieux. Je suis 8e en rang de force, tandis que du côté des gobelins, qui sont ceux qui nous intéressent, les peaux noires sont 54e, la lune crochue par contre, qui a réussi à s'emparer de tout son territoire, devient 13e, mais c'est pas mon problème immédiat. Et l'œil trouble et les crocs rouges sont. Pourri, les imbéciles du teint de la lune crochue. C'est intéressant. Oh oh. Et il y a Caracazul. Que je n'ai pas encore rencontré. Mais cette fois, ce problème du Nord est enfin réglé.